Yo, 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 les amis, j'espère que vous allez bien, moi, ça va nickel. Comme vous voyez sur mon entier, on se retrouve pour une critique, la critique de Black Butler. Black Butler. Et non, non, j'espère que vous allez bien, moi, ça va nickel. Et non, 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 je vais pas faire comme tous les autres critiques que j'ai fait, où je fais direct, ouais, ce que j'en pense. Non. C'est fini ça. Ça c'est fini, c'est poubelle. Pourquoi je vais arrêter de faire comme ça? Parce que là, je vais faire un nou je vais faire je vais continuer comme mes critiques, mais ils seront meilleurs. Pourquoi? Parce que cette fois, ils seront séparément. En gros, ils seront en gros, ils seront plus détaillés. En gros, quand je commencerai une critique dorénavant, il y aura la mise en contexte, en gros le résumé. Il y aura le scénario, en gros, est-ce que j'aime, voilà. Il y aura les personnages que j'aime en eux. Il y aura la conclusion. En gros, voilà. J'ai pensé au globalement du manga en question. En question. Mais je pense que on va commencer par la mise en contexte. C'est. Allez, à toutes. Allez, à tout de suite pour la mise en contexte. Donc on va lire le petit résumé hein, de Black Clover pour nous mettre dans la, pour être dans la mise en contexte tout simplement du manga. L'histoire nous parle du jeune comte Ciel Phantom Eyes, un aristocrate anglais du 19e siècle. Âgé de 12 ans et ayant perdu ses parents dans un mystérieux incendie, il se voit devenir l'héritier de l'entreprise de jouets et de friandises Phantom. Il habite dans un mystérieux manoir en compagnie de domestiques. On apprend par la suite que son. Voilà. On apprend par la suite que son fidèle majordome nommé Sébastien est en fait un démon des enfers avec qui il aurait. Bon, on ne lira pas d'autres choses. Je pense que les deux petites phrases vous suffiront. Donc, comme vous voyez, déjà, c'est l'histoire de Phantom Eye. Voilà. Maintenant. Passons, vu qu'on a terminé le petit résumé. Petit résumé, un hein, très court, hein, parce que voilà, faut pas trop en dire. Faut pas trop en dire. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est votre critique, d'un côté, faut que je vous donne envie de le regarder en même temps. Bon allez. Bon allez. Maintenant, passons au plus important, au scénario. Allez, à tout de suite. Donc nous allons parler cette fois-ci pas du résumé mais du scénario du manga Black Clover bien sûr parce que oui nous avons parlé de la mise en contexte du résumé pour qu'au moins vous compreniez un peu de quoi ça parle. Maintenant nous allons parler du scénario et je vais vous dire de quoi j'aime pas le scénario. Ce que j'aime pas dans le scénario c'est que je trouve que le scénario est beaucoup mais beaucoup trop basé sur Ciel Phantom Eyes et la reine. Après tous les autres ça dégage. Tous les autres on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est ça que c'est dommage. Parce que par exemple, son majordome, qui s'appelle Sébastien, pourquoi lui, dans le scénario, on n'a pas son histoire. On n'a pas son passé, c'est dommage. Quand je dis son passé, on a un petit bout, mais je veux dire son tout son passé. Pourquoi on n'a pas tout son passé dans on n'a pas tout son passé pourquoi on n'a pas tout son passé en tant que démon? C'est dommage qu'on n'a pas tout son passé en tant que démon à Sébastien parce que c'est le majordome de Ciel, Phantom Eyes. Ciel, Phantom Eyes. Donc voilà quoi, y a quand même le respect. C'est dommage. C'est dommage aussi, bien sûr, on n'a pas aussi quelques bouts de quelques. C'est dommage aussi qu'on n'a pas du pas le passé aussi des autres domestiques. Des autres domestiques. C'est vrai que c'est un peu dommage. Aussi, le scénario est trop, beaucoup trop basé sur Ciel et sa reine. Ciel, c'est. La reine, c'est. Vas-y, tu dois. Ciel, c'est. À vos ordres. Au calme. Et après, il n'y a plus rien dans le scénario. Y a plus rien.
C'est dommage. C'est dommage parce que j'ai bien aimé Black Butler, mais c'est ça qui est dommage. Ce manga est trop basé sur, est trop basé sur la reine et bien sûr la reine et bien sûr du coup qui dit reine dit ciel. Bon, ça va être la fin de ce scénario. Du coup, on va comment continuer cette fois avec les personnages. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, parlons des personnages de Black Butler. Bon, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, dans le scénario, Black Butler est trop basé sur la reine et Phantomize. Mais d'après mon avis. Bon, les personnages dont je n'aime pas dans Black Clover, c'est le majordome. Je viens de faire, ah, mais pourquoi il est stylé, il est badass. Je ne l'aime pas pour la simple et bonne raison qu'on ne sait presque rien sur lui. On ne sait pas son âge. On ne sait pas son nom de famille. On ne sait pas son passé. On ne sait pas si la famille. S'il est de la famille, on ne sait rien de lui. On ne sait rien. Ça, t'es nul. On sait rien, on sait que dalle. Déjà, c'est l'un des personnages, c'est le personnage que j'aime pas, parce qu'on sait rien de lui, c'est dommage. Et aussi, j'aime pas Phantomize, parce qu'il prend un peu, il prend les gens de haut, de 1, et de 2, parce que, parce que, comme je l'ai dit dans le scénario, ce manga, Black Clover, est trop basé sur Ciel Phantomize. Voilà pourquoi j'aime pas ce manga. Voilà pourquoi d'un côté je l'aime, mais d'un côté je l'aime pas. Parce que ce manga est trop, beaucoup trop basé sur les. Sur Ciel Phantom Hive. Alors qu'il pourrait développer. Alors qu'il pourrait développer d'autres personnages. Comme le passé de Sébastien. Comme le passé des autres domestiques. Mais non. Mais non, les auteurs s'en battent les couilles. Ils préfèrent développer. Le personnage de Ciel Phantomize. Oui, on veut bien. Mais nous, on veut aussi, moi, personnellement, et peut-être les autres qui le regardent, Black Clover ou les lecteurs, eh ben, veulent aussi savoir le passé des autres domestiques, veulent en savoir plus sur Sébastien. Mais là, non, l'auteur a fait non, mais allez vous faire foutre. Hein. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous avez été imaginé. Ben non, ça marche pas comme ça. Mais dans tous les cas, on va se. Mais en tous les cas, maintenant, on va se retrouver sur la dernière chose. Conclusion et ce que j'en ai passé et ce que j'en ai pensé globalement du manga. Du manga, bien sûr, Black Clover. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoici dans la conclusion de Black Butler, du manga. Hein. Je vais vous dire si je l'aimais ou pas. Je précise. Je l'ai pas trop aimé, ça ne veut pas dire que je l'ai pas aimé. C'est juste que c'est pas un des mangas dont je vais reparler tout le temps. C'est pas un manga dont je parlerai tout le temps. Non. 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 C'est pas en gros, c'est pas un manga dont j'ai follement adoré, dont je parle tout le temps. Ah non. Non, c'est pas. Non. C'est juste un manga dont je vous parle là, et après je vous reparlerai plus parce que voilà. Je n'aime pas trop, voilà, il y a certains trucs que j'ai pas aimé dans ce manga. Donc, dans tous les cas, bah, après, je vous ai dit pourquoi j'aimais pas trop, parce que, par rapport au scénario, par rapport au personnage, je l'ai dit bien avant. Mais oui, donc, honnêtement, dans tous les cas, même si moi je l'aime pas trop, vous peut-être que vous l'aimerez, parce que vous n'avez pas les mêmes goûts que moi. Vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, et je comprends. Alors, dans tous les cas, je vous conseille quand même le manga Black Clover qui contient. Deux qui contient deux ou trois saisons, je m'en rappelle plus, mais qui est un manga honnêtement dont moi j'ai pas trop aimé. Mais après, vous pourrez aimer si vous pourrez aimer pour certaines raisons qui pour certaines raisons dont pour certaines raisons. Voilà, mais moi honnêtement, non, j'ai pas aimé. Bien sûr, ceci n'est que mon avis personnel. Vous pourrez penser autre chose, vous pourrez peut-être penser que ce manga est super, c'est le meilleur de tous. Parce que c'est votre avis personnel.
Donc, bien sûr, il faut savoir que oui, je dis ça parce que c'est mon avis personnel. Et dans toutes les critiques, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, ça va être la fin de cette petite critique, hein. Alors, si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me contacter, hein, pour me donner des idées de manga à critiquer dans les commentaires. Ou si vous voulez me poser des questions et tout ça, hein, bah, via mon email, hein, si vous voulez. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour savoir les vidéos quand je fais des lives et tout ça dans le serveur Discord. Et bien sûr, n'hésitez pas, vous commencez à connaître, liker, partager, commenter, genre mettre ouais, c'est trop bien, ouais, c'est nul, pas grave. Dans tous les cas, je répondrai à tous les commentaires. Même si vous disiez ouais, c'est nul, je répondrai à tous les commentaires. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça m'aiderait grandement. C'était PsychoGaming pour une petite critique sur Black Clover. Non, non, qu'est-ce que je dis? Sur Black Butler. Allez, ciao! Ciao!